Bonjour à tous et coucou les amis, salut salut, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue aujourd'hui sur la guidance du phénix. Si tu as cliqué sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'il y a au moins un message important qui t'est destiné, un message que le phénix, en tout cas l'énergie du phénix, souhaite te faire parvenir, souhaite te transmettre à travers cette vidéo. Et à travers les cartes qu'on va découvrir assez rapidement, je vais t'inviter simplement à te connecter intérieurement à toi, à tes ressentis, voilà, à ramener un petit peu de calme intérieur, et puis quand tu te sentiras prêt, eh bien simplement à faire un choix entre ces trois options, ces trois propositions. Je vais te montrer une partie des cartes, je vais te montrer l'image, et puis simplement laisse-toi guider, appeler par l'image qui résonne le plus pour toi. Alors, c'est parti. Avec le choix numéro 1, nous avons cette belle illustration, choix numéro 1. Choix numéro 2. Et pour terminer avec le troisième choix, troisième option, nous avons cette belle image. Voilà. Eh bien, écoute, comme d'habitude, en bas de la vidéo, tu vas trouver le timing qui va correspondre à ton choix. Donc, tu peux cliquer dessus et puis aller directement à l'endroit qui t'intéresse dans la vidéo. Voilà, j'ai un petit OK qui commence. Bon, j'espère que ça va passer pour la suite. Bon, enfin, dans tous les cas, tu trouveras toutes les informations nécessaires en bas de la vidéo, dans le petit volet déroulant ou aussi dans les commentaires. En général, je mets toutes ces informations dans le tout premier commentaire, tout en haut de la liste. Voilà, donc écoute, j'ai hâte de découvrir avec toi les messages que le Phénix a à te transmettre. C'est parti, je te retrouve tout de suite en fonction de ton choix. Je commence donc avec toi qui as fait le choix numéro 1. Alors, quel message as-tu besoin d'entendre actuellement? Aimez votre vie, aimez votre vie. Donc le phénix ici t'invite à aimer ta vie, à être, moi j'entends, reconnaissant. Reconnaissant pour peut-être pour ce que tu as. Il est question en fait de changer de perspective, j'ai l'impression. Parce que, tu vois, sur la carte, on a donc un beau phénix flamboyant, lumineux qui est en train de voler, et juste en dessous de la carte, ici, on a son reflet donc dans l'eau, j'imagine. Et en fait, là, ce que j'entends spontanément, c'est changer de regard, changer de perception sur ta vie, sur ce que tu traverses, sur ce que tu vis actuellement, parce que peut-être actuellement, on est plutôt de ce côté-là de la carte, tu vois. Là, c'est assez sombre, ici, c'est assez grisâtre. Donc, j'ai l'impression qu'il y a pour toi, peut-être, notamment au niveau émotionnel, de la tristesse, de la déception. C'est peut-être broyer du noir, tu vois, c'est ce que j'entends, broyer du noir, ou avoir le moral assez bas, moral dans les chaussettes. J'entends plusieurs expressions en fait qui nous décrivent un petit peu peut-être ton état d'esprit actuellement. Et ici justement, on t'invite à te concentrer davantage ce sur quoi tu peux être reconnaissant. Aimer ta vie, c'est en effet avoir de la gratitude
Eh bien, pour tout ce que tu as déjà accompli, tout ce que tu possèdes déjà, et même des choses simples en fait, que ce soit bah, le fait que tu sois présent ici déjà sur cette vidéo, c'est que la vie est toujours en toi. Peut-être des personnes aussi qui t'aiment, des personnes qui sont proches de toi, peut-être une situation professionnelle qui t'épanouit, ou alors une situation matérielle stable. Dans tous les cas, ici, le phénix, il veut te remémorer et te rappeler que tu as plein de choses pour lesquelles tu peux être content, reconnaissant et qui t'amèneront de la joie. Si tu décides justement de les regarder, d'y apporter le focus, hein, vraiment, moi c'est clairement ce message que j'ai avec la carte qui est, j'ai l'impression, comme divisée en deux ici, côté lumineux ici et côté plutôt sombre, peut-être pessimiste aussi, c'est ce que j'entends. Ouais. Là, on t'invite aussi à te regarder sous un autre angle. On parle de reflet, là, le reflet dans l'eau. Donc, reflet, le miroir, c'est des mots-clés qui sont importants et j'ai l'impression qu'il va falloir que je creuse un petit peu avec toi, parce que l'essentiel du message aussi se trouve ici. Peut-être que justement, tu as tendance à te dévaloriser, à te juger ou à ne pas voir la beauté qui est tienne. Hein. Peut-être que justement, on regarde l'image dans le miroir, on regarde le miroir, mais le problème, c'est que l'image, lui, nous renvoie non pas ce que nous sommes en réalité, il nous renvoie ce que nous, on y voit, hein, avec notre perception. Donc, on revient encore sur cette notion de perception, de changement, voilà, de perception, et notamment vis-à-vis de toi-même. Donc là, un exercice que tu peux faire notamment, c'est devant le miroir, devant ta glace, te regarder attentivement et noter tout ce que tu aimes chez toi. Que ce soit tes yeux, que ce soit ta bouche, ton nez, l'expression du visage, tout, hein. Mais ben voilà, tu es un être d'une grande beauté. C'est ce que les phénix aimeraient te rappeler aussi. Et c'est important que tu t'aimes davantage. Et le fait de faire cet exercice-là devant la glace, donc tu vois, avec la notion de reflet, la notion de miroir, tu vas non plus voir des choses qui te dérangent ou des défauts, mais concentrer ton attention justement sur tout ce que tu aimes. Et à chaque fois que tu te trouves devant le miroir, eh bien, tu te rappelleras et tu feras attention, tu mettras ton regard justement sur tout ce que tu aimes chez toi. L'autre message que j'entends avec ce côté miroir et reflet, c'est un rappel ici que on colore justement le monde à nos propres lunettes. Et ici, peut-être que tu colores actuellement le monde ou la situation qui t'entoure ou ta vie d'une manière générale de manière un peu grisâtre. Tu vois, ça manque de couleur ici dans le reflet du phénix dans l'eau. Et ouais, il y a besoin de couleurs, il y a besoin d'autres émotions, notamment de joie, d'une effervescence, d'aimer la vie en fait, hein. En même temps, c'est écrit dessus, c'est tout simple. Et comment te dire? Le rappel du phénix ici, c'est que chacun a une perception différente de la vie et c'est ne pas oublier que c'est la manière dont toi tu la vois qu'elle va se matérialiser quelque part, qu'elle va se concrétiser. Donc si tu changes tes perceptions, c'est ça qui est hyper important, si tu changes tes perceptions, peut-être que tu essayes de voir le positif, hein, dans ta situation, eh bien ça va changer en fait ta façon déjà de vivre. Ta façon de réagir aussi par rapport à ce qui se présente dans ta vie. Donc le phénix, il se présente à toi aujourd'hui pour te rappeler que ce qui t'arrive ou ce que tu vis, c'est avant tout le reflet
de tes pensées, de ce qui se passe dans le mental, du scénario qui se joue dans le mental, des étiquettes que l'on met. Et tu as un pouvoir d'action là-dessus, justement. Hein, tu peux changer les choses, tu peux changer la donne, changer la balance, et ben rien que en changeant de perception. Ok, et on va voir le petit message aussi associé. Alors, attends, il y a un petit truc qui me gêne, voilà. Aujourd'hui, on te demande de terminer quelque chose d'important pour toi. Tu as déjà commencé, mais c'est comme si tu avais peur de continuer, ou tu as cette sensation d'être trop fatigué pour mener ce projet ou cette attente à terme. Tu as toutes les forces nécessaires en toi, alors reprends ce chemin et va jusqu'au bout, tu peux le faire. Donc on a clairement un message d'encouragement ici. Je ne sais pas comment ça résonnera pour toi parce que vous êtes beaucoup en même temps à regarder cette vidéo. Donc là, spontanément, quelle est la première chose qui te vient? C'est ça en fait qui est important par rapport à ce message, de terminer quelque chose d'important que tu as déjà commencé. Hein, tu as déjà mis en place des actions, tu as déjà avancé sur ce chemin, mais voilà. T'as pas été jusqu'au bout. Et là, bah, c'est très. Enfin, j'ai pas grand-chose à rajouter en fait vis-à-vis de ce message parce que tout est bien expliqué, hein. On t'explique peut-être à la fois pourquoi tu n'as pas continué, pourquoi tu étais jusqu'au bout, parce que tu avais peur, la peur, peur de continuer, peur d'échouer, peur au final peut-être de pas être sur le bon chemin, ou alors de la fatigue, hein, tout simplement un manque d'énergie. C'est un petit peu les deux, hein. J'ai l'impression, ça me ramène sur le bas de la carte ici, c'est l'énergie que je peux y associer et y ressentir. Mais tu vois, on te dit bien que tu as toutes les forces et les capacités nécessaires en toi. Donc tu peux y aller, tu peux y arriver et tu vas pouvoir arriver au succès, aller jusqu'au bout de cette entreprise, de ce projet. Voilà, donc tu vas voir le fait de cultiver la reconnaissance, l'amour de soi, l'amour de la vie, l'amour de ce qui t'entoure, poser toujours voilà, ce regard d'amour en fait sur les choses, ça va changer, ça va faire un shift comme ça dans tes énergies, ça va te, moi j'entends, ça va te permettre de t'élever d'une certaine manière. En tout cas, voilà, ce que j'entends, c'est élever tes vibrations. Justement, et toute ton énergie va changer, en fait. Tu vois, et c'est intéressant parce que là, en bas de la carte, on avait juste les ailes, on voit pas tout le phénix. Donc c'est comme si ça t'avais les ailes coupées, c'est ça que je ressens ici. T'avais les ailes coupées parce que t'es comme pris dans. J'ai cette sensation-là, pris dans un puits, pris dans un vide, se laisser entraîner peut-être justement par un état d'esprit, ou avant tout, hein, parce que c'est de ça dont il s'agit, des pensées, des émotions qui t'entraînent vers le bas, alors qu'ici tu peux remonter. Et justement là, lui, on voit son regard qui est dirigé vers la droite, comme ça, vers son objectif, vers l'avenir. Et puis il est en mouvement avec ses ailes, voilà, il est. Il y va avec détermination, avec enthousiasme, avec de la vitalité aussi. Donc c'est quelques petites pistes hein, à travers cette guidance pour que tu puisses sortir de cet état-là symbolique qui est dans le bas de la carte et récupérer ton... comment dire? Récupérer tes couleurs, j'entends, récupérer tes couleurs magnifiques.
Voilà, eh bien écoute, j'espère que ça aura résonné avec toi. N'hésite pas, si tu veux, à me partager tes ressentis dans les commentaires. Je te souhaite le meilleur. Je t'embrasse, je te fais des bisous. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut! Alors, je te retrouve, toi qui as fait le choix numéro 2. Quels sont les messages que le phénix souhaite te transmettre? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre maintenant? Ah, nous avons cette très belle image. On nous parle de tes rêves. Tes rêves. Ok. Alors, avec les rêves, je l'entends sous deux aspects. Déjà, on te parle avant tout de tes rêves de cœur, tes rêves, tes souhaits profonds, tes objectifs, tes ambitions. Là, le phénix, il vient à toi pour te dire de te lancer, hein. C'est pour te dire de t'élancer justement à la conquête ici. Là, je le vois aller dans le ciel, dans l'espace, mais à la conquête de tes rêves. On te dit que c'est le bon timing, en fait. C'est le bon timing. Il y a justement tout l'appui de tes guides ici, du cosmos, qui t'encourage à y aller, à foncer, parce que tout simplement, c'est important pour toi d'entendre qu'ils sont réalisables, que tu peux les atteindre. Et que ça ne reste pas justement que dans le mental, dans des idées, dans oh tiens, je rêverais bien de ça. Mais au final, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui se concrétise vraiment. Là, moi, ce que j'entends aussi, c'est qu'il n'y a aucun rêve qui n'est trop beau ou trop haut pour toi. On t'invite à rêver grand, justement. À rêver grand, pardon. Et à croire, à avoir la foi, justement, que tu vas pouvoir décrocher ces rêves. Que ce n'est pas inatteignable, que tu as tout ce qu'il faut pour aller vers cette concrétisation. On te dit que c'est le moment aussi, parce que justement, j'ai l'impression que tout ça reste un petit peu dans l'esprit, hein, dans l'imaginaire, voilà, dans l'imaginaire avec les rêves. Et il y a besoin en fait de mettre des actions en place pour que ça puisse s'enclencher, pour que ça puisse se matérialiser. L'image qui me vient ici, c'est comme si le phénix, au départ, il était sur cet arbre, il regardait là-haut, et voilà, c'est symbolique de l'imaginaire, de se projeter dans ses rêves, peut-être il regarde une étoile, donc un objectif, et en fait, il a décollé, tu vois, il s'est lancé, il s'élance, voilà, c'est ça, il s'élance. Donc, ose te lancer, ose t'élancer. Voilà, vers le chemin de tes rêves, en gardant bien le cap sur ce qui est important pour moi, sur ce qui est, pardon, sur ce qui est important pour toi. Donc peut-être que d'ailleurs le lapsus veut dire que c'est un message aussi pour moi, hein, à travers cette guidance. Voilà, j'accueille. J'accueille. Je vais boire un petit peu sur ce petit lapsus. Voilà, je vais boire, essayer d'ingurgiter ça, enfin voilà, de l'ancrer en moi, justement. L'autre message à travers cette carte, c'est que il se passe beaucoup de choses actuellement à travers tes rêves. Les rêves, hein, que tu fais la nuit, ils sont là pour te guider. Actuellement, ça va être peut-être certaines sensations, certains souvenirs que tu vas avoir, notamment pardon, au réveil, des petits morceaux comme ça de ton rêve que tu te rappelles. C'est important de les noter parce que moi j'entends qu'il y a des messages voilà, importants et justement qui viennent de tes guides, hein. Les guides, ils s'expriment. Tes guides, ils s'expriment à travers tes rêves actuellement.
Ce que tu peux faire aussi, si tu as l'impression que tu ne te souviens pas de tes rêves, voilà, que ça ne te parle pas comme ça actuellement, c'est de demander, hein, de poser l'intention le soir, avant de dormir, de poser, je ne sais pas, une intention, d'avoir un message important, ou de poser même une question. Tu peux être très précis dans ta demande et de souhaiter à ce que tu aies la réponse dans un rêve. Hein. Donc juste avant de te coucher, pour que voilà, ça se mette bien dans ton cerveau, dans ton esprit, que ça s'implante et ça envoie aussi ce message à tes guides qui puissent venir justement venir te voyager, te rencontrer et te transmettre les messages durant ton rêve. Ok. Est-ce qu'on a autre chose, je regarde ici, qui voudrait sortir? Oui, j'ai ce mot de à travers tout, enfin à travers encore, pardon, à travers les rêves, tu peux faire un voyage astral ici, hein, c'est vraiment représenté dans la carte. Voyage astral pour aller accéder à une autre dimension, accéder à d'autres connaissances, peut-être pour certains même accéder aux annales akashiques, c'est ce que j'entends. Là aussi, c'est important, si tu le souhaites, de clarifier tes demandes avant de dormir et de préciser que tu souhaiterais avoir tout ça à travers les rêves. Hein. Et dès le matin, c'est important, dès le réveil, de tout de suite noter les premières choses qui te restent, hein, les résidus. Comme je te dis, ça peut être des émotions, certaines images, un flash, peu importe. Mais note, ça sera hyper important. Et l'autre message qu'on a, qui est associé aussi. Alors, aujourd'hui, on te demande de travailler sur ton ancrage, ton chakra racine. Tu as beaucoup d'idées et d'envie. J'ai envie de te dire, je peux rajouter de rêves aussi, puisqu'on l'avait à côté. Donc, tu as beaucoup d'idées, d'envie, de rêves, mais tu ne les concrétises pas, car il te manque un ancrage fort. Concentre-toi sur ton chakra racine pour donner une impulsion concrète à tout ce qui est important pour toi. Ouais, donc tu vois, ce message, il va bien ici avec, avec le premier, hein. On voit là ce phénix qui est dans le cosmos, voilà, qui est dans le ciel, et on a la représentation ici de l'ancrage avec l'arbre. Hein? Donc le but, c'est d'amener justement tes envies, tes souhaits profonds à une concrétisation, c'est ce que je te disais. Et là, il y a besoin aussi de ne pas rester que dans la sphère du mental, de l'esprit, de l'imaginaire. Donc là, ouais, travailler sur ton ancrage à travers le chakra racine. Donc tu peux le faire de la manière que tu veux, avec des méditations, des visualisations, avec la connexion avec la nature aussi. Ça va beaucoup t'aider justement avec la forêt, les arbres, pour renforcer ton ancrage et ce chakra racine. Ok, tu vois, concentre-toi sur ton chakra racine pour donner une impulsion. On parle d'une impulsion ici, je ne sais plus, j'avais eu un terme, ça y est, je l'ai perdu, une élancée, une envolée. Bon, je pense que tu te souviens, c'est que moi je suis tellement voilà, concentré sur ce qui me vient et j'ai beaucoup d'informations que je passe vite à autre chose. Enfin, en tout cas, je retiens pas tout ce que j'ai dit, mais je sais que l'impulsion ici résonne bien. Hein. C'est se lancer, voilà, hein, s'élancer. Ah, je crois que c'était ça. S'élancer, oser, partir à la conquête de tes rêves, tout simplement. Et avec le chakra racine, ça veut bien dire le fait de le concrétiser, de le matérialiser. Et si tu reçois ce message, c'est pas pour rien, c'est parce que, comme je t'ai dit, il faut que tu aies conscience que actuellement,
les énergies extérieures, le contexte extérieur, quel qu'il soit, eh bien, il est favorable pour toi. Tu recevras des aides, tu recevras un soutien, l'appui aussi des guides et de l'univers tout entier. Ok, eh bien écoute, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui comme message. J'espère que ça aura résonné pour toi, que ça te donnera voilà, cet élan pour y aller, pour foncer. N'hésite pas si tu veux à me partager eh bien, tes ressentis dans les commentaires. Ça sera avec plaisir que je te lirai. Prends soin de toi aussi et puis je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Salut, salut! Alors, je continue et je termine cette guidance avec toi qui as fait le choix numéro 3. Alors, quels sont les messages du Phénix pour toi? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre actuellement? C'est ce qu'on va découvrir. Servez-vous de votre feu intérieur. Ok, alors ici on a une magnifique illustration du phénix qui déploie grand ses ailes, qui est, comment dire, assez impressionnant, resplendissant. J'entends le mot resplendissant. Et ce que je vois aussi ici, c'est comme une flamme en fait, une flamme qui s'expanse, un feu qui prend de l'ampleur. Voilà, servez-vous de votre feu intérieur. Donc le message principal, il est là pour toi. C'est de ranimer la flamme. La flame, ranimer ce feu intérieur. Le feu, j'entends, pour beaucoup, ça va être plutôt lié à la créativité. Hein, à la créativité, l'envie de... L'envie, voilà, en fait, tout court, je ne savais pas de quoi, mais l'envie, la créativité, la vitalité aussi, la joie de vivre. Ça peut éventuellement, pour certains, parler d'une relation, hein, d'une relation. Donc là, forcément, le terme est bien adapté, raviver la flamme. Ouais, j'ai le sentiment que... Là, tu es dans une phase où tu as connu peut-être certaines difficultés, certaines épreuves, ce qui a un petit peu effrité, je dirais, ton... Alors, on entend du bruit à côté, c'est qu'il y a des travaux. Donc, voilà, désolé, j'espère que ça ne sera pas trop gênant. Mais ben voilà, tu vois, il y a eu du chantier. Hein, il y a eu du chantier, il y a eu, comme je t'ai dit, du remue-ménage pour toi, des épreuves. Et ça a affecté... ton moral, peut-être même aussi ton corps physique, hein, peut-être que tu as des symptômes de fatigue ou de douleur, et là justement c'est le moment de te connecter avec ce feu intérieur, ce feu sacré, ce feu de la vie, ce feu donc de l'envie et de la créativité. Ici, moi je ressens surtout le chakra sacré justement. Chakra sacré qui est lié à nos émotions, à nos désirs, au jeu aussi, JEU, prendre du plaisir. Tu as besoin de prendre du plaisir actuellement. Alors, je prends juste un petit peu d'eau. Je regarde ce qu'il veut nous dire d'autre, ce beau phénix. Alors, là, j'entends que tu as peut-être tendance actuellement à te renfermer sur toi-même. Je vois comme si tu te recroquevillais. Je sais pas, par peut-être par
par honte, par culpabilité. Il peut y avoir plusieurs émotions différentes. Peut-être parce que justement aussi, tout simplement, t'es pas au mieux de ta forme et tu n'as pas envie de te le montrer. Et ici, on t'invite justement à t'ouvrir au monde qui t'entoure, aux autres, à pouvoir partager, à pouvoir t'exprimer, te confier aussi. Moi, j'ai l'impression que ouais, tu as des personnes qui vont t'aider d'une certaine manière à reprendre confiance en toi et à bah, t'épanouir en fait, hein. C'est ce mot-là qui me vient en voyant la carte, à t'épanouir. Ce qu'on te dit aussi, ou ce qu'on peut te conseiller, c'est que toutes les activités justement liées à l'art, à la créativité, que ce soit de la peinture, du dessin, de la musique, de la danse, tout ça, ça va te faire énormément de bien. Ça va te permettre justement de, eh ben de raviver cette flamme-là. Cette flamme, moi je l'entends comme ton moteur de vie, et c'est cette flamme qui est un petit peu éteinte. Alors, enfin, non, elle n'est pas éteinte, justement, elle est bien là, et il suffit de la rallumer, mais c'est lié à ta vitalité, en fait. Ce que tu peux faire, je sais que je l'avais déjà fait avec cette carte, c'est visualiser intérieurement cette petite flamme, ce feu intérieur, et puis l'imaginer en train de grandir, de remplir tout l'espace intérieur de ton être, de tes cellules. Laisse-toi envahir en fait par, par cette chaleur bienveillante, rassurante, électrisante. Donc faire un exercice de visualisation comme ça. Ça peut être assez intense, et comme l'esprit ne fait pas forcément la distinction entre le mental, enfin entre, comment dire, entre l'imaginaire, ce qu'on rêve et la réalité, eh bien c'est un processus qui peut être magique pour toi, pour raviver cette flamme, ce feu sacré intérieur. Hein, tu le visualises d'abord dans le ventre, cette flamme, et ensuite tu l'imagines prendre de l'ampleur dans tout ton corps. Ok, et le message qu'on a associé aussi. Aujourd'hui, on te demande de garder confiance en toi. Tu peux, par moments, te comparer aux autres de façon négative et avoir cette impression de ne pas être compris. Tu peux alors chercher à rentrer dans un moule. Alors ça, c'est intéressant parce que ça rejoint bien ce que je ressentais tout à l'heure avec quelqu'un qui se recroqueville comme ça. Alors qu'en plus je suis en train de constater que tu peux chercher à rentrer dans un moule. C'était pas du tout ce qu'ils veulent dire dans la carte en fait, je me rends compte. On parle ici de voilà de rentrer dans un moule vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la société, enfin porter un masque en fait quelque part ou ne pas être vraiment soi. Mais bon, je trouve que ça résonne malgré tout. Tu es unique et ton énergie aussi. Alors reste toi-même et continue à faire tout ce que tu as déjà entrepris. Ouais, on t'invite à. C'est vrai que c'est très lié aussi avec le chakra du plexus solaire ici, à retrouver, redorer ton blason. C'est ça que j'entends comme expression. Redorer ton blason, redorer la confiance en toi. Parce que ce phénix que tu vois là, c'est une partie de toi qui ne demande qu'à s'exprimer, qu'à briller. Ouais, t'as pas besoin de te comparer ou penser que tu fais moins bien ou pas assez. C'est quand tu auras confiance en toi que tu atteindras aussi ton plein potentiel et justement que
tu vas d'une certaine manière illuminer tout le monde autour de toi et les personnes qui te côtoient. Et c'est justement en cherchant à allumer, à raviver ce feu intérieur que tu vas agir sur la confiance en toi, sur l'estime de toi. On te le dit bien ici, hein, tu es unique et ton énergie aussi. Alors reste toi-même et continue à faire tout ce que tu as déjà entrepris. C'est une invitation aussi à briller de mille feux, donc à te montrer tel que tu es, à être pleinement authentique. Ouais, c'est ça, incarner pleinement qui tu es. Et les autres verront ils seront d'une certaine manière même peut-être impressionnés par ce que tu dégages. Ils verront ta beauté, ta lumière ici qu'on voit. Voilà, donc ça nous fait quelques pistes pour toi ici. Peu importe le moyen que tu utiliseras pour allumer ce feu intérieur, mais en tout cas, c'est vraiment nécessaire, hein. Comme je te dis, tout ce qui va être lié au chakra sacré, le travail sur le chakra sacré, des méditations, des respirations, le chakra sacré, ça va être, comme je t'ai dit aussi, le plaisir, le jouer, l'amusement, tout ça va être extrêmement bénéfique pour toi de l'alimenter dans ton quotidien ou quand tu peux, hein. Voilà, eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a parlé, que tu as résonné avec ce message. N'hésite pas, si tu veux, à me partager tes ressentis dans les commentaires. Je te souhaite le meilleur. Prends bien soin de toi, surtout. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!